Derby madrilène entre Real Madrid et Atlético de Madrid. Nous parlons de déclaration de entraîneurs, à savoir Diego Simeone et Carlo Ancelotti, qui étaient présentés devant la presse à la veille derby madrilène dans Santiago Bernabéu. Eh bien, nous parlons avec la déclaration de Diego Simeone. Il dit, est-ce que c'est pas un duel qui est vraiment décisif? Je dis, avec autant de matchs nous jouer, c'est pas bon pour nous penser comme ça. C'est un match très important. Real Madrid c'est premier dans la Liga, il est très fort à domicile, il a un pile soutien qui sorti bon côté fanatique. Nous devons bailler le meilleur de nous-mêmes. L'autre question qu'on va le poser avec Cholo concernant les matchs et Coupe du Roi, monsieur dit pas rien pour nous dire. Nous devons concentrer nous sur match dans Santiago Bernabéu. Lorsque vous avez posé la question sur 11, l'état de météo, je dis, moi, pas gain aucun doute sur le joueur qui pourra commencer. Parfois, moi, j'ai des doutes à l'avance, mais cette fois-ci, pas gain ça. Concernant derby, je parlais, il dit, nous jouons deux matchs à domicile contre le Real Madrid et un match à l'extérieur parce que l'atmosphère là, en Arabie Saoudite était pratiquement similaire avec ça que nous parlons dans Santiago Bernabéu. À domicile, Real Madrid yo pratiquement très fort, bien sûr. Cholo, pour parler de Barrios, je dis, moi, ouais, dans trois postes, dans le milieu de terrain, il a une grande marge de progression. Li est vraiment à continuer à évoluer. Nous avons besoin plus de li toujours. Nous pouvons demander plus parce qu'il est capable de faire plus. Nous devons accompagner. Mais nous devons demander plus toujours, exiger plus de li. C'est comme ça que nous avons parlé de Barrios concernant supporter Diego Simeone. Il fait qu'on est, moi, pas penser que y a besoin d'un message. Il qu'on est comment nous bataille. Je dis, Jolouan, nous pas t'adouer faire erreur. Comment vous pensez ça? Monsieur dit, nous devons faire un match, même gens que nous comptons toujours jouer contre Real Madrid. Il fait partie des meilleurs. Yo. Yo pas jamais perdu. Et surtout, le gars de saison là, c'est pas une équipe qui perdit facile. Yo gagne une très bonne gestion dans VCL, surtout avec entraîneur. Yo. Yo une énorme qualité. Jolouan, t'as pas parlé de Alvaro Morata. Je dis, nous pouvons regarder pour nous si que Morata lui-même lui pourra débuter ou bien si c'est pour Memphis Depay. Même si moi déjà prend décision moi. Il est en forme, il est très bien entraîné dans deux derniers jours et c'est un joueur qui est très important pour nous. Concernant rival, tu l'as dit, motivation lui pourra augmenter, mais joueur Real Madrid je connais que c'est le bagage qui comptait c'est gagner et au travail toujours en conséquence. Voilà, c'est comme ça Diego Simeone a réagi en conférence de presse avant duel Real Madrid Atlético. Nous allons démarrer avec entraîneur Real Madrid là qui c'est Carlo Ancelotti qui était exprimé en conférence de presse à la veille derby contre Atlético de Madrid là. Il dit Carlo, qui ça Real doit faire pour les gagner? Monsieur dit c'est pour un autre match qui est très important. C'est troisième fois que nous allons affronter Atlético dans un temps qui pas trop long. Ça a toujours des matchs difficiles, très disputés, très spectaculaires. C'est pour le même bagaille. Match là, c'est pour le très important et c'est pour le très bien pour nous jouer dans Santiago Bernabéu. Ça pour aider nous. Comment Antonio Rudiger est? Carlo répond, il dit, et monsieur amélioré en pile depuis jeudi, nous espérons même bagaille. Eh bien, lorsque nous pourrons jouer face à l'équipe Atlético en demain, nous pourrons évaluer et nous pourrons voir s'il est capable de jouer. Il s'agit d'un coup dans un muscle qui est très important. Li ap nan groupe là. Xavi dit que compétition li altéré par vidéo Real Madrid TV. Ancelotti répond ni dit moi pap baissé nan niveau ça. Moi c'est un professionnel par respect pour football espagnol là. Alors moi pap répond avec ça. D'ici une semaine la Liga capable sceller. Carlo dit deux matchs vont très important. Mais pas déterminant. Prendre des points avant la Ligue des Champions, c'est pour le client. Et nous devons profiter du fait que nous jouons dans Santiago Bernabéu. La Polta dit que Real Madrid comportait très mal. Je dis, Jacques m'a dit là, mon papa descend dans le niveau ça. L'autre question posée par Carlo Ancelotti, est-ce que derby là, il n'est pas dans le pire niveau que Classico, je dis là. Je dis, ce sont des matchs très intenses avec en pile tension. Mais c'est pareil,
Tous les deux matchs, il y a pile qualité, en pile organisation, c'est très haut niveau. Qui option ou pour utiliser pour jouer central si vous dites Galita absent? Je dis oui, troisième option, c'est Kamavinga après Cavadial et Fernand Mendy. Li capable et fait surtout avec caractéristiques li, c'est pour trois options que nous voil étudier. Qui critère ou utiliser pour choisir gardien de but? Je dis en pile bagay, oui, j'aime dire là, ça augmente compétitivité mais aussi incertitude entre eux. Me trouver tous les deux motivés en tenant compte que personne pas intouchable. M'a fait un autre choix demain. Simeone, c'est l'entraîneur qui plus est difficile pour affronter. Est-ce que c'est ça, Carlo? Je dis, alors c'est une plus difficile, yo. Oui, parce que il gère très bien l'équipe, Lyon. C'est une rivale, yo, qui me respecte en pile pour capacité, le Jean qui lit match football, yo. À quel point Toni Kroos pourra l'important demain? Carlo dit, Toni Kroos est toujours important, très important. Évidemment, m'pas capable de dire plus. Modric aussi fait un grand match contre Getafe. Toni Kroos li pat joué. Ça démontre force effectif là. Ne gagne pile et qualité et des qualités très différentes. C'est pour difficile pour pas mettre Modric demain? C'est question que j'avais posée. Monsieur dit, très oui. Lorsque vous avez des professionnels aussi sérieux qui motivent et qui travaillent très bien, c'est dur. En plus, c'est des joueurs qui marquent une époque ici en Bernabéu. Je suis très reconnaissant envers tout joueur ça yo pour ça qu'ils ont fait dans l'équipe là. Et lorsque moi j'étais ici, les étapes faites et les étapes faites à commencer. C'est difficile surtout sur le plan personnel parce que ça capable affecter. Pour qui ça ou pas recruter un central? Je dis après à la bas, nous pensons que Tchouaméni est capable de couvrir pour cela en cas d'urgence. Demain, c'est pas une urgence absolue, mais c'est simplement un match. Et ça, c'est si Rudiger n'a pas joué. Mais situation ça, il n'a pas comme ça pour toute la saison parce que Militaro est capable de retourner pour avril ou bien fin mars. Comment vous expliquez gardien yo critères j'en sélectionné yo? Je dis non. Tous deux, ils sont toujours prêts. Et c'est une façon pour moi qui est motivé. Peu importe ça qu'a vu demain, hein, c'est pas et pratiquement un problème et l'important pour la suite. Pendant que nous la déclaration et Carlo Ancelotti en tout cas des joueurs les convoqués pour un derby, hein, comme gardien de but c'est lui qui pas Arrizabalaga, Diego Pinheiro, comme défenseur Daniel Cavadial, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Antonio Rudiger et Fernand Mendy. Milieu de terrain, c'est Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Dani Ceballos, Ada Gullit. Et puis comme attaquant, c'est Vinicius Junior, Rodrigo, Oselu et Brahim Dias. Joueur qui écarté pour causer blessure, c'est Thibaut Courtois, Militaro, David Alaba. Et joueur qui pas disponible pour suspension, c'est Aurélien Tchouaméni. Fanatique, pas oublier, meilleure façon capable et supporter nous si vous à peine rejoint le travail, là, c'est abonner, activer la cloche, notification, quitter un commentaire, quitter un like.